Tous dans un de mes commentaires récemment, j'ai eu une demande de faire un test 5G et 4G. Donc j'ai un S20 Ultra, je suis en extérieur 5G full bar aux alentours de Mogio-Vendargues. Et là, je suis aussi avec mon iPhone 10 en 4G full débit. Donc je lance les tests en même temps. Je peux pas faire une capture évidemment de l'iPhone en même temps. 5G ici. 4G à côté. Donc on a fait un 174 sur la 5G. Quand avec mon iPhone 10, je monte péniblement à 11 mégas hein, sur de la 4G. Ça c'est en descendant. Et en upload, ben, on va pas vous mentir, je suis à même pas 1 méga. Alors certes, pour de la 4G, on va pas se mentir, c'est loin d'être bon. Mais le fait de, du coup de passer sur le même forfait, quasiment au même prix, de 10 mégas à 174 et 35 en upload, c'est complètement différent. Donc, pour résumer, 5G, il y en a qui chouinent, c'est pas assez vite, blablabla. Bref, moi, je peux vous dire que 180 mégas sur le mobile, c'est énorme, hein, ça sert pas à plus. 35 en upload, c'est fabuleux. Quand péniblement en 4G, j'avais 10 et 0,80. Voilà, donc là, franchement, je peux pas rester en planque et bosser. Quand nous on est dans le Zoom, on doit taper les rapports, etc. Bon, pour du Word, ça passe. Mais si c'est un document, ne serait-ce qu'avec une dizaine de photos ou des choses comme ça, c'est très long, c'est fastidieux. Alors qu'en 5G, concrètement, 35 en upload, je peux balancer les vidéos directement sur notre cloud privé, sur le NAS ou ce qu'on veut, pour être hyper réactif et pouvoir travailler comme ça sans aucune limite. Voilà, la prochaine fois, je ferai ça en vidéo propre et pas juste en audio. Mais j'étais en extérieur vite fait, donc suite à un commentaire. On a fait ça, donc c'était un S20 Ultra 5G 174 VS un iPhone 10 10 mégas. Voilà, une petite différence de, hein, de débit. Voilà, merci à tous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.